C'est le grand show sur le Dakar avec notamment 5 mini, dont celle du vainqueur du Silkwear Rally, Christophe Olofsic, qui a terminé 5e l'année dernière. L'Espagnol Nani Roma sera lié au volant du monstre jaune mini et apportera un soutien vital à Peter Hansel qui lui aussi espère bien décrocher des victoires. On a dit beaucoup de choses au sujet de Nasser Al-Attiyah, mais son coéquipier et patron d'écurie, Robbie Gordon, est aussi un prétendant au titre. L'an passé, il avait dû abandonner prématurément. En 2012, il espère améliorer sa troisième place de l'édition 2009. Le français Christian Lavieille prend le départ avec un prototype de Soud, motorisé par Nissan et construit par Mitsubishi. Il a de grandes ambitions. Je ne vais pas parler de place sur un Dakar, parce qu'un Dakar, c'est tellement une course qui est longue et il faut passer au travers de tout. Sur le papier, c'est beaucoup mieux que l'année passée. Ça peut faire entre 3 et 6, suivant ce qui se passe devant aussi. De nombreux rebondissements en perspective pour les concurrents.